nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dès leur rencontre en 1922, se noua entre Jean Cocteau et le philosophe Jacques Maritain une amitié qui ne prit fin qu'à la mort du poète. Une amitié de 40 ans qui se traduisit, tout ce temps entre les deux hommes, par une correspondance ininterrompue. En 1925, dans une de ses lettres, Cocteau écrivait à Maritain. « Mon cher Jacques, vous êtes un poisson des grandes profondeurs, lumineux et aveugle. Votre élément est la prière. Sorti de la prière, vous vous cognez contre tout. La maladresse, voilà notre terrain d'entente. L'appareil thomiste trompe le monde sur la vôtre. Une foule de méprises fait passer la mienne pour de l'habileté. Nous ne sommes pas malins. Le malin trouverait en nous des traîtres. Moi, je suis un mauvais élève. À l'école, je remportais les prix de cancre, prix de dessin et de gymnastique. Vous, vous êtes un philosophe. Je devrais avoir honte, mais nous sommes pays, c'est-à-dire deux dépaysés du même genre. » En 1973, Stanislas Fumet consacrait une matinée de France Culture à Jacques Maritain, intitulée « Un philosophe, agent secret du roi des rois ». Veni Sancte Spiritus. Autour de 1904, l'Esprit Saint était à la recherche de Jacques Maritain et de cette frêle jeune fille juive de nationalité russe qui allait être sa fiancée, puis sa femme, sa collaboratrice de tous les instants, Raïssa Oumantsov, même lorsqu'elle aura quitté sa dépouille mortelle, 13 ans avant la mort de notre grand ami qui eut lieu le 28 avril de cette année 1973. Du prophète Léon Blois. En ce jour, les épouvantes de Dieu militeront contre les hommes, parce qu'on verra la chose inouïe et parfaitement inattendue qui doit déraciner jusque dans ses fondements l'habitacle humain, c'est-à-dire la translation des figures en réalité. Ma croix méprisée éclatera de splendeur comme un incendie dans la nuit noire. Et une terreur inconnue recrutera dans cette clarté la multitude tremblante des mauvais troupeaux et des mauvais pasteurs. Ah, vous m'avez dit d'en descendre et que vous croiriez en moi. Vous m'avez crié de me sauver moi-même, puisque je sauvais les autres. Eh bien, je vais combler tous vos vœux. Je vais descendre effectivement de ma croix lorsque cette épouse d'ignominie sera tout en feu à cause de l'arrivée d'Élie et qu'il ne sera plus possible d'ignorer ce qu'était sous son apparence d'abjection et de cruauté cet instrument d'un supplice de tant de siècles. Toute la terre apprendra pour en agoniser d'épouvante que ce signe était mon amour lui-même, c'est-à-dire l'Esprit Saint caché sous un travestissement inimaginable. Cette croix qui me dépasse de tous les côtés pour exprimer dans sa folie les adorables exagérations de votre rachat, elle va dilater sur toute la terre ses bras torréfiants. Les montagnes et les vallées se liquéfieront comme la cire, et votre Dieu, décloué de son lit sanglant, posera de nouveau sur le sol d'Adam ses deux pieds percés pour savoir si vous tiendrez parole en croyant en lui.
Voilà un langage que les deux jeunes gens que nous évoquons n'avaient pas entendu lorsqu'ils étudiaient à la Sorbonne, l'un à côté de l'autre, les sciences de la nature et plus particulièrement la biologie. Ni la croix, ni l'Esprit-Saint n'avaient eu de place dans leur vocabulaire d'agnostiques insatisfaits, ardents et douloureux, qui admiraient les savants et restaient néanmoins sur leur soif et sur leur faim quand ils réfléchissaient devant une espèce de vide mental dont leur maître n'avait probablement pas conscience. Raïssa, dans son beau livre « Les grandes amitiés », dit si bien ce qui, Jacques et elle, les torturaient. Je me demandais comment les hommes de science remarquables dont je suivais les cours, ou ceux dont je lisais les livres, pouvaient accepter de demeurer dans un état si confus et si vague de l'esprit, sans en souffrir, alors que toute réalité intelligible s'évanouissait comme un mirage quand on pensait s'en approcher et la saisir, et que les faits sacro-saints eux-mêmes se résolvaient dans la poussière de constatations purement empiriques, parce que ce qui était généralement nié par la philosophie régnante, c'était l'objectivité même de nos connaissances, notre capacité à saisir le réel. Mais voyons qui était Jacques Maritain avant que l'Esprit-Saint les tirât de leur angoisse métaphysique, lui et Raïssa, puisque c'est le cas d'employer en propre ce terme d'angoisse métaphysique si galvaudé. Né huguenot, élevé dans un esprit de droiture laïque de la meilleure souche, petit-fils de l'homme politique Jules Favre et fils d'une mère admirable qui mettait ses principes républicains en action, Jacques Maritain, il perdra son père quelque temps avant de se marier, Jacques, dont une vocation de philosophe impérieuse s'accompagnait d'un désir de justice inné que rien de terrestre ne satisferait jamais, luttait contre la religion et toutes les hypocrisies sociales. Disons en gros qu'il faisait figure d'anarchiste. Il était l'ami d'Ernest Psychary, mais plus qu'un ami, un frère, tant ils étaient liés depuis leur enfance. Psychary, né d'un père grec, était le petit-fils d'Ernest Renan par sa mère. Et l'un de leurs cultes, qui devient le premier, était Charles Péguy. Jacques Maritain fut un des fondateurs des Cahiers de la Quinzaine. Il aida de ses deniers cette collection qui aura tant de mal à vivre parce qu'elle ne ressemblait à nul autre, comme l'homme qui les anima, luttant vaillamment contre son époque à la façon de Jeanne d'Arc, en qui il projetait la figure de son âme, tout simplement. Le seul survivant aujourd'hui de ses camarades qui considéraient Péguy, transfuge de la rue d'Ulm, comme leur maître, largement leur aîné, est le professeur Robert Debré. Il a l'âge de Jacques lui-même et est donc le plus ancien témoin de la petite histoire, si grande vue de loin, si profonde examinée de près, qui se passait entre la Sorbonne et le Collège de France. Mon cher professeur, vous avez connu Péguy avant la fondation des cahiers. Rappelez-nous cette matinée où vous fûtes chargé par Péguy de transporter les lourds exemplaires de sa première Jeanne d'Arc. C'est un, doit dire, un de mes grands souvenirs. J'avais en effet été adressé à Charles Péguy parce que je cherchais, tant un jeune étudiant en Sorbonne, un maître pour me diriger. J'avais connu Péguy à la librairie Charles Bellet, ou qui fut l'objet, l'occasion de bien des querelles pénibles, et Péguy m'avait tout de suite enrôlé, séduit et dominé à la fois. Si bien que, entraîné par lui, et qui nous recrutait car il avait besoin de jeunes conscrits pour les bataillons de réfusards qu'il dirigeait, et c'est comme cela que je l'ai connu et que je l'ai vu avant les Cahiers de la Quinzaine, avant la boutique de la rue de la Sorbonne. À ce moment, il quittait la librairie Bellet et s'installait au 16 rue de la Sorbonne provisoirement. Et on y transportait des livres. En particulier, j'ai été chargé de transporter de chez les Tarot, qui habitaient rue des Fossés-Saint-Jacques, les très lourds exemplaires de la première Jeanne d'Arc. Je sens encore le poids de ces volumes dans mes bras quand je les transportais jusqu'à la rue de la Sorbonne. Ce fut vraiment mon premier contact avec les écrits de Charles Péguy. Mais quand avez-vous connu alors Geneviève Favre, la mère de Jacques Maritain? Eh bien, comme ceci. Jacques Maritain était notre camarade de la Sorbonne. Études philosophiques, comme mes amis et moi-même, pendant que Raïssa poursuivait des études pour une licence de botanique, je puis dire, à nos côtés. Et une de mes premières visions est celle de Jacques,
Long, mince, le front penché, il était toujours un peu penché, comme vous savez, oui. Et à côté de Raïssa, toute souriante. C'est une de mes visions inoubliables de jeunesse. Nous étions donc étudiants à la Sorbonne, ensemble, et nous avions des amis communs, notamment mon ami Jean-Paul Coulon, dont le père avait été le secrétaire de Jules Favre autrefois. Si bien que nous allâmes les uns chez les autres et que Maritain me fit inviter par sa mère Geneviève. Et je n'ai pas oublié, elle me l'a raconté bien souvent, un jour après le déjeuner, me disait-elle, on vous voyait debout devant la cheminée de cet appartement du 149 rue de Rennes, bien connu de nous tous et de beaucoup d'autres, et elle me voyait là tout jeune avec une barbe blonde que je portais à cette époque, une cravate lavalière bleue à pois blanc que je portais également à ce moment, et disant à Jacques et à Jeanne, Peggy est un homme extraordinaire, tellement extraordinaire, tellement puissant, tellement original, il faut que vous le connaissiez. Et j'ai mené, je puis dire, par la main, Jacques et Jeanne, chez Peggy, les cahiers de la quinzaine venaient de s'installer, si j'ose dire. Ah oui, ça c'est l'origine, ça. C'était l'origine. Oui. Ça a été le point de départ, et nous avons entouré à ce moment-là Peggy, cherchant nous aussi des abonnés, l'aidant de notre mieux, car cette quête aux abonnés des cahiers de la quinzaine était une de nos occupations, si je puis dire, de ce moment, en même temps que les jeudis aux 8 rue de la Sorbonne. Oui. Nous sommes entrés ensemble, quelques jours avant la mort de Jacques Maritain, dans cette petite librairie du 8 rue de la Sorbonne, cette officine qui n'a guère changé, où s'élaboraient, depuis 1900, les cahiers de la quinzaine. Cette boutique, vous y aviez pénétré bien avant moi. Personnellement, je n'ai connu Peggy qu'en 1911, j'avais 15 ans. Je me souviens toujours de ce mot qu'il m'a dit, dans son bureau, le plus pauvre, le plus sombre bureau du monde, comme je lui posais des questions sur les écrivains du temps, qu'il appréciait, et en avait peu, je lui demandais ce qu'il pensait de Léon Blois. « Je ne l'aime pas, me dit-il. » Pour lui, c'était comme Barbey de Ruvilliers ou Ismens, un pornographe. Et il ajouta, « Et puis, il y a quelque chose que je ne lui pardonne pas. Il m'a volé un ami. » C'est plus tard que je compris que cet ami était Jacques Maritain. J'ai toujours été intéressé par les enfants. Toute ma vie a été consacrée, je puis dire, à ce souci. Certes. Et j'ai commencé jeune. Et à ce moment, j'ai eu l'idée de faire des cahiers de la quinzaine pour enfants. C'est ça. Et c'est aussi un grand souvenir. Jeanne Maritain était une de nos camarades que j'aimais bien et nous parlions beaucoup, nous bavardions. Et un beau jour, où nous cheminions ensemble, je nous vois très bien, descendant de la Sorbonne, longeant les quais, prenait le pont sous le Férénou. Je me rappelle le détail de ce trajet. Et Jeanne Maritain, qui était petite, fluette, avec un très charmant visage, de très beaux yeux, un petit grain de beauté sur la joue gauche, je la revois. Les longues jupes que portaient les jeunes femmes alors et les bottines hautes, je la revois très très bien, sa silhouette, et marchant et nous arrêtant de temps en temps dans cette marche, je lui dis, nous devrions créer des cahiers de la quinzaine pour enfants. Ce projet a pris corps et ne pouvait prendre corps que sous l'égide, si j'ose dire, paternelle de Charles Peggy. Et nous sommes allés lui en parler et Charles Peggy s'est montré immédiatement sympathique à cette initiative et a dit oui, et je cite toujours cette phrase parce qu'elle est bien caractéristique de cet homme, à une condition, c'est qu'il n'y aura pas une faute d'impression dans votre journal. Vous savez que j'ai horreur des coquilles et des fautes d'impression, et il ne faudra pas venir me dire ça n'a pas d'importance pour les enfants, car il faut respecter les enfants et je n'admettrai pas une seule faute. Et d'emblée, il a accepté de nous faire une petite place en disant, on peut très gentiment, on peut bien se serrer un peu pour un petit frère. Et c'est comme ça que nous avons créé ce journal qui m'a encore plus rapproché de Jeanne Maritain et de sa mère, Geneviève Maritain-Favre, qui m'a laissé, comme je vous le disais, un souvenir profond. Un portrait de Jacques Maritain quand il avait 20 ans.
Il est charmant, il est de la petite main de Raïssa. Un jour, où toute mélancolique je sortais d'un cours de M. Matruchot, professeur de physiologie végétale, je vis venir à moi un jeune homme au doux visage, aux abondants cheveux blonds, à la barbe légère, à l'allure un peu penchée. Il se présenta, me dit qu'il était en train de former un comité d'étudiants pour susciter un mouvement de protestation parmi les écrivains et les universitaires français contre les mauvais traitements dont les étudiants socialistes russes étaient victimes en leur pays. Il y a eu à cette époque en Russie des émeutes universitaires sévèrement réprimées par la police tsariste. Et il me demanda mon nom pour ce comité. Telle fut ma première rencontre avec Jacques Maritain. Nous devînmes vite inséparables. Jacques était déjà licencié en philosophie, mais il préparait aussi une licence S-Sciences et fréquentait les mêmes cours que moi. Il était déjà le Maritain que nous avons connu, rassembleur de signatures, infatigable à s'élever contre les injustices, les mensonges sociaux, le pharisaïsme des bien-pensants, non parce qu'ils pensent bien, mais parce qu'ils ne pensent pas, la médiocrité des institutions. Ce doux maître, quelqu'un au temps de la Sorbonne, l'avait dépeint ainsi, me disait Raïssa, un parterre de myosotis sur un fleuve de pétrole. Son beau visage saisissait quiconque le rencontrait. Il en était ainsi dans sa jeunesse, comme il en serait dans son âge mûr, et comme il en sera jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait de la lumière sur sa physionomie vieillissante. Quelque chose de diaphane accentuait encore ce caractère de transparence. À la fin, on eût dit une lampe dont il ne subsistait qu'une flamme, vacillante et toujours aussi vive. On nous a raconté que lors de son dernier voyage à Paris, Jacques Maritain ayant consenti à se faire photographier, ne voulut pas que ce fût dans l'appartement où il logeait, mais il se fit transporter au jardin des plantes et y retrouva le banc où Raïssa et lui s'étaient promis de se donner la mort s'ils ne trouvaient pas enfin le sens de la vie. Ce n'était pas dégoût des choses, mais pure noblesse de conscience. Eh bien, l'Esprit Saint s'en mêla. Sous quelle forme? D'abord, un rayon de lumière indirecte, Bergson. Il enseignait au Collège de France, dont les bâtiments font face à ceux de la Sorbonne. Il n'y avait que la rue Saint-Jacques à traverser et à faire quelques pas dans la rue des Écoles, mais cela n'était pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Il y avait justement entre les deux institutions une montagne de préjugés et de méfiance, et particulièrement de la part des philosophes de la Sorbonne à l'égard de la philosophie de Bergson. De sorte qu'il était presque aussi difficile aux jeunes étudiants d'imaginer d'aller de la Sorbonne au Collège de France que de la Sorbonne à l'église Sainte-Geneviève, sa proche voisine cependant. C'est lui qui nous fit traverser la rue, celui qui nous a fait passer d'une maison à l'autre, fut justement l'ennemi déclaré de l'historicisme sorbonien, Charles Péguy. Un jour donc, ayant vu que notre déception était complète, il nous emmena au cours de Bergson. Nous venions de faire le bilan de ce que nos maîtres nous avaient donné comme viatique. À nous, les très jeunes gens, qui attendions d'eux les principes d'une connaissance vraie et d'une action juste, et nous nous apercevions ne tenir entre nos mains que mort et poussière. Le positivisme pseudo-scientifique, le scepticisme, le relativisme faisaient violence en nous à cette idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme dont parle Pascal. Et nous ne pouvions résister que par la souffrance à cette démoralisation de l'esprit. Pouvions-nous, à 18 ans, à 20 ans, opposer une doctrine personnelle à toutes ces doctrines? Pouvions-nous les réfuter systématiquement? Voir nous-mêmes clairement en quoi elles étaient erronées? D'instinct, nous nous débattions contre un relativisme sans issue, contre cette relation au néant, puisqu'aucun absolu n'était admis. Malgré tout ce qui pouvait nous en détourner, nous persistions à chercher la vérité. Quelle vérité! À porter en nous l'espérance d'une plénitude d'adhésion possible à une plénitude d'être. L'hypothèse dans laquelle il n'existe pas de faculté d'appréhension du réel ne peut donc être formulée qu'à titre de doute méthodique, mais non pas de doute réel. Elle est un procédé philosophique de recherche. Elle ne caractérise pas la nature de l'esprit. Cela du moins, nous en étions sûrs. Péguy et Psychary, Jacques et moi, nous formions un quatuor exultant, parce que des perspectives de vie spirituelle et de certitudes intellectuelles s'ouvraient à nouveau devant nous.
Un jour, je m'en fus toute tremblante demander à Bergson des conseils pour mes études. Davantage, sans doute, pour ma vie. C'était la première fois que je faisais une telle démarche. De ce qu'il me dit alors, quelques mots se sont à jamais gravés dans ma mémoire. Suivez toujours votre inspiration. N'était-ce pas me dire « soyez vous-même » ? Agissez toujours librement. Beaucoup plus tard, je lui ai rappelé ce conseil que je m'étais appliqué à suivre, en effet. Et Bergson, souriant de son imprudence, me dit aimablement « ce n'est pas un conseil que j'aurais pu donner à beaucoup de personnes ». Quoi qu'il en soit, Bergson m'avait donné confiance en mes tendances essentielles, avait ouvert mon esprit à l'intériorité de la vie, m'avait libéré de la crainte de ne pas agir selon les plus purs idéaux du positivisme scientifique. Raïssa lut Plotin, que Bergson commentait, puis elle aborda Platon et aima Pascal. Elle alla jusqu'à lire Rosebrook, du moins l'ornement des noces spirituelles, traduit du flamand par Maurice Maeterlinck. Maeterlinck, après 2 ans au moins de fiançailles, alors que Raïssa avait failli mourir d'un phlegmon à la gorge, ils décidèrent de se marier. Et voici un nom qui est un pion poussé par la Providence sur l'échiquier de la destinée des maritains. Ils se sont unis le 26 novembre 1904. Jacques, au mois de juin, a passé brillamment son agrégation. C'est alors qu'il leur tombe sous les yeux une phrase extraite d'une lettre de Maurice Maeterlinck, le nom en question, adressé en 1897 à Léon Blois, un auteur catholique également rejeté par les mal-pensants et par les bien-pensants, car il ne ménage ni les uns ni les autres. « Si par génie on entend certains éclairs en profondeur, la femme pauvre est la seule des œuvres de ces jours où il y a des marques évidentes de génie. » De génie? Comment cela? Blois n'est pas un auteur qui trouble la Sorbonne et qui empêche de dormir les gradés de l'université et les professeurs en général. Les maritains ne savent pas que la phrase citée par le journaliste Louis Vauxel est incomplète. Certains échos en profondeur qui rallient ce que l'on voit à ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne comprend pas encore à ce qu'on comprendra un jour. Et Maeterlinck ajoutait, au point de vue purement humain, on songe involontairement au roi Lear et on ne trouve pas d'autre point de repère dans les littératures. La petite phrase d'allusion au génie leur a suffi. Ils se sont précipités sur la femme pauvre et l'ont lu. Elle les transporte, écoutons Raïssa. Ce qui nous a éblouis à cette première lecture de la femme pauvre, c'est l'immensité de cette âme de croyant, son zèle brûlant de la justice, la beauté d'une haute doctrine qui pour la première fois surgissait à nos yeux, la foi, la pauvreté. On n'entre pas au paradis demain ni dans 10 ans, on y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. La sainteté également exaltée, indissolublement unie. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Le courage et l'indépendance de caractère, là où nous nous serions attendus à trouver un conformisme obséquieux, les ténèbres du Moyen-Âge, le pharisaïsme bourgeois. Jacques et Raïssa écrivent une lettre à l'auteur de La femme pauvre pour lui dire combien ils l'admirent en précisant qu'ils sont éloignés de toute foi religieuse. À leur lettre, ils joignent un mandat. Blois, très touché, leur répond. J'aurai 59 ans dans un mois et je cherche encore mon pain, c'est vrai. Mais j'ai tout de même secouru, consolé des âmes et cela me fait un ciel dans le cœur. Et il leur fait remettre le journal et le mendiant ingrat qui avait précédé 4 ans de captivité à Cochon-sur-Marne qu'il venait de lire. Jacques exprime sa reconnaissance. Le mendiant ingrat magnifiait le moindre don reçu pour avoir de plus vastes occasions de gratitude. La première lettre que nous lui envoyâmes, ma femme et moi, nous étions alors mariés depuis peu et je préparais l'agrégation de philosophie, contenait la somme la plus minime. En raison de quoi il nous combla de ses livres et demanda pour nous l'illumination baptismale, offrant à cette intention ses prières et ses larmes. Qui est le débiteur? Par lui nous avons acheté la vie éternelle pour 25 francs. Le sourire de Jacques Maritain a ici la valeur d'un témoignage bien plus grave au fond qu'il peut sembler. Lui a mesuré la détresse de ce pauvre. Et il a eu toutes les preuves de son extrême générosité. Blois, qui n'avait rien, dès qu'il avait un peu, le partageait avec les autres. « Je reconnais mes amis, a-t-il écrit un jour, à ce signe qu'ils me donnent de l'argent. »
il a pu généraliser et dire « L'amitié se reconnaît à l'échange spirituel, qui est l'échange de la lumière, et à l'échange matériel, qui est pratiquement celui de l'argent, signe efficace de la vie. » Pour comprendre ces choses, il faut en avoir expérimenté le courant sacré qui est de l'ordre de la charité. Léon Blois vous y invitait. Dans l'Invendable, cinquième volume du journal de Léon Blois, à la date du 25 juillet, on peut lire. Quelle aventure surnaturelle! Quelle bénédiction pour nous, ces deux amis envoyés le 20 juin, et que nous voyons en train de se perdre si amoureusement dans notre caverne. Le jeune homme est un de ces idéalistes, ignorant Dieu, qui se laisse traîner par les cheveux ou par les pieds dans l'escalier de la lumière. La jeune femme est une juive russe toute petite. Elle me fait penser à un muguet des bois qu'un rayon de soleil trop lourd inclinerait sur sa tige. En cet être charmant et si frêle, habite une âme capable d'agenouiller des chaînes. Son intelligence, dès le premier jour, me déconcerta. À Jeanne, qui lui disait trouver en elle des sentiments chrétiens, « C'est sans doute, a-t-elle répondu, parce que nous sommes chrétiens que nous avons aimé votre mari. » Chère petite Samaritaine, qui avez eu compassion du voyageur percé de coups, soyez guérie à votre tour par cet autre voyageur que vos ancêtres ont crucifié. Raïssa a tout de suite gagné le cœur de l'invendable, puisque c'est ainsi que le mendiant ingrat se dénomme à présent. La qualité de son intelligence féminine, aimante et divinatrice lui apparaît quand il est question d'art, entre plusieurs praticiens qui, sur ce point, ont toujours grand mal à s'entendre. En revanche, le fait que Jacques soit philosophe intimide un peu Léon Blois, qui est un sauvage dans ce domaine. Il s'adresse à lui plus indirectement. L'un et l'autre sont loin de penser au baptême. Et déjà, ils ont l'idée de rééditer à leurs frais le Salut par les Juifs, qui est sorti ou n'est pas vraiment sorti de chez un imprimeur de fortune ou d'infortune, qui ne l'a pas distribué aux libraires, et tout le stock des exemplaires a moisi dans l'arrière-boutique d'un marchand de ferraille. Raïssa, qui est juive, découvre, et Jacques avec elle, des propositions étrangement belles et plus mystérieuses encore que belles. Israël est donc investi, par privilège, de la représentation et d'on ne sait quelle très occulte protection de ce paraclet errant dont il fut l'habitacle et le receleur. Pour qui n'est pas destitué de la faculté de contemplation, les séparer semble impossible. Plus étroitement soudés l'un à l'autre, ils apparaissent. Puisqu'il est question d'Israël, je me tourne vers Georges Kataoui. Tu as écrit toi-même un Léon Blois, comme tu as écrit un Peggy. Pour ce qui est de l'élection d'Israël, à laquelle ton christianisme ne fait qu'ajouter de la gravité, tu rallies l'auteur du Salut par les Juifs et trouves dans les écrits de Jacques Maritain, épouse de Raïssa, des convictions proches des tiennes. Maritain voit d'emblée en Israël le privilège de la race qui a donné au monde les patriarches, les prophètes, le psalmiste, la Vierge Marie, et les évangélistes et les apôtres. Il voit en Abraham un saint immense dont la paternité englobe tous les croyants. Raïssa, de son côté, écrira l'histoire d'Abraham et les premiers âges de la conscience morale. Saint Paul a dit « À l'égard du choix divin, ils sont toujours aimés à cause de leur Père, car les dons de Dieu sont sans repentance. » C'est sur eux, sur l'olivier franc d'Israël, que sont hantés les rameaux de l'olivier sauvage. Or, si la racine est sainte, la masse l'est aussi. Comment ne serions-nous donc pas attentifs au souffle qui passe sur le vieux tronc? Il nous faut suivre avec beaucoup d'amour, de vigilance et de respect les inquiétudes qui agitent la jeunesse juive. Israël est le peuple prêtre, il est aussi le peuple prophète. Maritain nous dit qu'il a surtout connu des juifs magnanimes, au cœur naïf et grand, nés pauvres et morts plus pauvres encore, n'ayant ni le sens du lucre, ni celui de l'économie, plus heureux de donner que de recevoir. Un sens de la pureté de la famille a longtemps caractérisé les mœurs juives. Comme jadis le rabbin Samuel de Fès, Maritain se demande dans quel cœur, sur quelles lèvres, a passé le chant de la synagogue des possédés. Il évoque l'adjuration de Pie XI. Il n'est pas possible aux chrétiens
d'avoir aucune part en l'antisémitisme. Nous sommes spirituellement des sémites. Saint Pidis disait déjà de la synagogue « Eppure nostra mamma ». Maritain rejoint les pages où Léon Blois parle de la passion juive comme d'une voix chargée de faire descendre la justice. L'antisémitisme est un outrage au Fils de Dieu, au Juif Jésus, et à sa mère, et à ses apôtres. Israël espère passionnément, attend, veut l'avènement de Dieu dans le monde, le royaume de Dieu ici-bas. Individuellement, les Juifs en état de grâce appartiennent invisiblement à l'Église. Disons encore, avec l'apôtre des gentils, si leur faux pas a fait la fortune du monde, que ne sera leur plénitude, sinon une résurrection d'entre les morts. Pour Maritain, la question juive est d'abord, mais pas exclusivement, un mystère d'ordre théologique. Quand on parle des Juifs, les mots tribu, race, maison d'Israël doivent être sacralisés. Parler des Juifs comme du peuple déicide est une sanglante absurdité. Quand Jésus prêchait au temple, une grande foule se pressait à l'entendre, selon les mots de saint Marc. Dès 1939, avec une aisance prophétique, une audace exceptionnelle, Maritain avait entrevu le crépuscule de la civilisation menacée par la réaction fasciste autant que par l'athéisme des pays de l'Est européen. Dans une conférence donnée aux ambassadeurs, il dénonça les premiers crimes des nazis et la frénésie des racistes qu'il combattit dans le temps présent aux côtés de Stanislas Fumé. En 1947, à la conférence de Selisberg, il contribua fermement à réclamer la suppression dans la liturgie de Pâques des mots « et perfidis », ce qui fut fait. Il souligna d'ailleurs que le latin « perfidia » signifie « incroyance » et non « perfidie » comme le rend dans certaines traductions un grossier contresens. On a pu dire qu'à Meudon, les dimanches après-midi, Jacques et Raïssa, tout penchés vers les autres, ressemblaient vraiment aux personnages de l'histoire sainte par la lumière des visages et des regards. Bernanos voyait un ciel se lever dans les yeux bleus de Maritain. Auprès de Jacques, la sœur de Raïssa, Vera, s'empressait comme Marthe. Et Raïssa faisait songer à Marie, car elle était une juive selon le cœur de Jésus, et ses poèmes étaient des prières. Maritain notait, on ne s'ennuie jamais avec un juif. Leur nostalgie, leur dynamisme, la naïveté de leur finesse, leur connaissance de la misère sont de rares toniques pour l'esprit. Quand les nazis eurent perpétré leurs crimes, Jacques, réfugié en Amérique, ne cessa de les dénoncer. Toute sa vie fut un long combat contre l'antisémitisme. Il voulut donner quelque idée de la situation du peuple juif. Il souligna que le messianisme matérialiste est la face obscure de la vocation d'Israël à l'absolu. Il vanta le dynamisme admirable, l'ardeur, l'intelligence avec lesquelles les Juifs ont témoigné du surnaturel au sein de l'histoire humaine. Dans un émouvant poème, Raïssa n'a pas hésité à écrire avec Isaïe qu'Israël est sauvé d'un salut éternel. Saul de Tarse ne proclamait-il pas « Je ne veux point que vous ignoriez ce mystère ». Un jour, la totalité d'Israël sera sauvée. Au seuil du troisième âge, dont a parlé saint Thomas d'Aquin, Maritain a vu dans la réintégration d'Israël le signe caractéristique de cette parousie, de cette nouvelle économie. Déjà, au Roseau d'Or, avec Stanislas Fumé, Maritain avait recueilli le beau livre de Jean de Ménage sur les Hassidim. Quand Israël aime Dieu, Maritain fait plus. Il a été le premier à comprendre, après le massacre odieux de 6 millions de Juifs, dont tant d'enfants innocents, la fondation d'un État hébreu, signe de l'âge apocalyptique où nous vivons. Dès la fondation de ce foyer juif, on a vu, disait-il, les Juifs retourner à la terre et à la culture agricole. Et avec quel succès ! Le peuple d'Israël est l'unique peuple au monde auquel une terre, la terre de Canaan, a été donné par le vrai Dieu, le Dieu unique et transcendant, créateur de l'univers et du genre humain. Et ce que Dieu a donné une fois est donné pour toujours. Claudel ne pensait pas autrement. On n'a pas assez écouté sur ce point
comme sur tant d'autres, celui que Paul VI a justement appelé le plus grand théologien de notre temps. Grande fête dans nos cœurs. Une fois de plus, mes livres, occasion de ce miracle, sont approuvés, non par un évêque ni par un docteur, mais par l'Esprit Saint. Et le 11 juin 1906 a lieu, à 11h du matin, en l'église Saint-Jean-l'Évangéliste de la rue des Abbesses, un événement gros de conséquences pour le catholicisme. Abjuration de Jacques Maritain, son baptême, celui de sa jeune femme Raïssa et la bénédiction nuptiale. Baptême aussi de Véra. Me voilà parrain de ces trois êtres aimés de Dieu. Leur bonne volonté, leur amoureuse candeur sont inexprimables. Marraine, Jeanne et Véronique. Jeanne, c'est Madame Blois, et Véronique est leur fille aînée. Raïssa nous dit qu'ils étaient entrés dans le baptême avec crainte, sans enthousiasme, un peu à l'aveuglette. Mais après le baptême, tout a basculé du côté de la certitude. La foi de Léon Blois les introduisait peu à peu dans une demeure insoupçonnée, où ils apprennent que Dieu est plus nourrissant pour une âme affamée que les idées ingénieuses qui tourmentent l'esprit. Ça est très curieux lorsqu'on sait ce que va devenir la foi pour l'intelligence exceptionnelle de ces deux êtres passionnés d'absolu. L'intelligence, ils sont prêts à lui tourner le dos. Jacques Maritain obtient une bourse pour aller étudier la biologie à Heidelberg. Là, en se penchant sur les énigmes de la biologie, il se reprend un peu à l'intellect et, avec Raïssa, commence à discerner la possibilité d'une restitution de la raison, R majuscule, dont la métaphysique est l'opération essentielle la plus haute, écrit Jacques. Il ajoute dans le carnet de ses notes « Nous savons maintenant ce que nous voulons et c'est proprement philosopher ». Toutefois, le principal réside encore pour eux, grâce à Léon Blois, dans l'écriture, la liturgie, les vies de saints et les écrits des mystiques. Raïssa, qui est devenue très fragile après son phlegmon, retombe gravement malade. Il s'en faut de peu qu'elle ne meure, elle demande l'extrême onction. Véra, sa sœur, est venue les rejoindre en Allemagne. Léon Blois leur conseille une neuvaine à Notre-Dame de la Salette. Leur parrain leur communique sa dévotion à celle qui pleure. Raïssa se rétablit très vite. Jacques fait un voyage rapide à Paris pour expliquer aux Oumansov le caractère de leur conversion que tout le monde ignore. Mais les parents de Raïssa ne comprennent pas, ils sont déchirés. Lorsque Geneviève Maritain-Favre apprend cette trahison idéologique de son fils, elle ne cache pas son amertume. En juin 1907, les deux époux font un pèlerinage à la Salette et, rentrés à Paris, ils vont retrouver le goût de l'intelligence. Mais elle change complètement d'aspect. C'est ainsi qu'ils apprendront bientôt qu'avec Dieu, elle n'est pas moins belle que la charité. La Providence, en effet, les a mis en rapport avec un dominicain distingué, le père Clérissac, à qui il s'adresse pour les diriger. Celui-ci les lance sur une piste opposée au fidéisme. Il leur conseille l'étude de saint Thomas d'Aquin. C'est Raïssa la première qui subit comme une fascination devant la manière inédite de regarder le réel sous une lumière toute nouvelle. Quelques pages de la Somme l'ont frappée, elle les signale à son mari. Et c'est le coup de foudre intellectuel. Jacques se jette dans cet océan de la Somme et il y nagera avec transport pendant de nombreuses années. Jacques se fera le spécialiste d'un thomisme qui n'est pas du néo-thomisme, comme on l'imagine. Saint Thomas enseigne à ce philosophe exigeant, épris de rigueur et avec Raïssa de splendeur, ce qu'est l'intelligence faite pour l'être et qui dissout les problèmes néantisants en délivrant l'esprit de ses entraves et de ses tentations. Jacques Maritain et Charles Péguy seront bientôt en froid. Péguy, en 1907, ne reproche pas à son jeune camarade, au fils de la protestante Geneviève Favre, de s'être fait catholique. Au contraire, il lui dit, sous le sceau du secret, « Mon pauvre vieux, moi aussi j'en suis là ». Jacques, néophyte exigeant, s'étonne alors de l'attitude ambiguë de l'homme des cahiers qui en reste là sans faire le pas définitif qu'il attend de lui. Maritain emploie tout son zèle à fléchir Péguy, mais Péguy, très sincèrement, ne peut rien renier de lui-même. Il se rend compte qu'il n'a pas changé en passant du socialisme au christianisme, dont il n'est jamais qu'un reflet, même si ce reflet s'avère frauduleux dans le cas de Jaurès, par exemple, que Péguy, après l'avoir aimé, combattra si durement. Et cependant, Péguy avait suivi des positions laïques qui n'étaient pas contraires à l'Évangile, ni soutenait-il à la théologie de l'Église, qui possède la vérité, mais la présente bourgeoisement, sous une figure qui ne doit pas plaire à Dieu. Péguy, torturé, se défendait mal, hors de ses livres, et tout était pour le contrarier, l'indigné. Ainsi, la mise à l'index des œuvres de Bergson, leur maître. Enfin, la guerre survint, elle nous tua du premier coup, Péguy, Sicari, Alain Fournier et d'autres, toute une famille d'esprits.
Blois mourait en 1918 à Bourg-la-Reine, dans la maison qu'habitait Peggy à la fin de sa vie. Tout cela était effroyablement cohérent. La pervenue, Maritain va collaborer à la revue universelle de Jacques Bainville et d'Henri Massis, ce dernier estimant qu'il devait à Jacques sa conversion, comme la lui avait dû vraisemblablement Ernest Psychary. Cette revue d'hommes de droite avait été fondée pour permettre à Jacques Maritain d'y soutenir ses positions, mais elle se donna fâcheusement pour le parti de l'intelligence, ce qui fausse le sens de l'intelligence, infiniment désintéressé et incapable de se ranger à un parti pris. Ce qu'il convient de savoir, c'est que Maritain n'est disciple de saint Thomas que parce que saint Thomas se voulait être disciple uniquement de la vérité. André Froissart, qui lui a rencontré Dieu pour ne plus douter de son existence, a envie de m'interrompre. « Saint Thomas, c'est bien, dit-il, c'est mieux que bien, mais n'oublions pas Aristote. » Oui, on a grand besoin d'Aristote aujourd'hui. Mais si saint Thomas n'avait pas éclairé d'en haut Aristote, et si Froissart n'avait pas rencontré Dieu, je ne pense pas que son esprit eût rencontré Aristote, que saint Thomas lui a désigné d'un doigt révélateur. Je n'ai jamais beaucoup lu saint Thomas d'Aquin, parce que c'est un homme d'une ampleur extraordinaire qui a écrit assez d'œuvres, dit Chesterton, pour couler un vaisseau. Mais il est vrai qu'à travers saint Thomas d'Aquin, et à travers surtout Maritain et vous-même, ma curiosité s'est dirigée du côté de saint Thomas d'Aquin, qui m'a effectivement aiguillé du côté d'Aristote, qui m'a fait l'effet alors de l'intelligence à l'état pur, comme ça, et parfaitement disponible. Je ne sais plus qui a dit que la philosophie d'Aristote était la philosophie naturelle de l'esprit humain, je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est tellement vrai que l'esprit humain, depuis qu'il n'est plus aristotélicien, n'a plus d'autre ressource que de se nier soi-même, ou en tout cas de s'étudier de telle manière qu'il ne puisse plus rien dire d'objectif. Parce qu'on ne veut pas que l'esprit, l'intelligence soit disponible et reçoive la vérité finalement de quelqu'un ou de quelque chose qui ne soit pas elle-même. Elle refuse l'objet parce qu'il la détermine. Alors elle s'étudie elle-même, après quoi elle se fait un véritable plaisir de se nier. Et quand elle va faire un petit séjour en Allemagne, par exemple, alors là il lui arrive une métamorphose fantastique. L'intelligence devient une espèce de grue, de concasseur. L'intelligence a des mandibules avec lesquelles elle broie les choses pour les avaler, les assimiler. Quand on pense que depuis, je ne sais pas, 100 ans que l'instruction publique est obligatoire en France, on étudie Hegel plutôt qu'Aristote, et qu'on ne s'aperçoit pas, ou qu'on feint de ne pas s'apercevoir, je ne sais pas quelle est la vérité, que toute la philosophie de Hegel repose sur un mauvais calembour, sur l'être, qui montre qu'il n'a jamais eu la moindre idée de ce que le grec en question appelait l'être. Alors on est un tout petit peu découragé quand même de poursuivre ses études philosophiques dans un climat pareil. Aristote, lui, est l'objectivité même. Il ne fait pas d'ombre sur le sujet. Quand il regarde un objet, c'est l'objet qui a l'air de s'exprimer. On pourrait presque le comparer à Claudel. Ça paraît bizarre, mais enfin, Claudel pose un vase de Chine devant son regard et dit « qu'est-ce que c'est ?» Et cette simple question « qu'est-ce que c'est ?» donne de l'être au vase de Chine et donne à Claudel une série d'idées sur le vase de Chine que très peu d'antiquaires, enfin de spécialistes des antiquités chinoises auraient à sa place. Les choses ne demandent qu'à s'exprimer, elles ne demandent qu'à parler, elles ont beaucoup à dire, et le nombre des oreilles qui les écoutent est très rare, et des yeux qui les regardent vraiment, c'est très rare. Dans cet exercice, personne n'a jamais surpassé Aristote. Aristote pense, mais il pense de cette manière objective qu'on ne trouve guère que chez lui, ou en tout cas que pour ma part, faute d'avoir étudié saint Thomas d'Aquin, je n'ai trouvé que chez lui. Et cette objectivité l'amène, dans la métaphysique, à dire la chose la plus extraordinaire qu'une intelligence livrée à elle-même, une intelligence humaine se bornant à ses propres ressources, que la révélation n'éclaire pas particulièrement,
Eh bien, la plus grande chose que l'intelligence humaine ait dite et qui est que Dieu meut le monde comme objet d'amour. Je ne crois pas qu'on ait jamais rien dit de pareil. Et je crois que c'est vraiment la fin à la fois de la métaphysique et même de la physique, en plus. Alors, ça a été une de mes admirations, la première des admirations du passé, que j'ai eue après ma conversion, en effet. Et j'ai retrouvé l'esprit d'Aristote chez Maritain. C'est exactement la même qualité, la même acuité, la même pénétration, la même aptitude à laisser parler ce qui est, la même faculté de répondre à l'être par l'intelligence. Or, l'être a quelque chose d'extrêmement fatigant. Il est transparent. C'est une espèce de transparence inépuisable, à la fois fragile et incassable. Enfin, c'est un mystère qui n'est pas accessible finalement à n'importe quel esprit. Il faut beaucoup d'humilité pour le considérer, parce que le monde qui est fait d'être le masque et le révèle en même temps. Enfin, il y a un exercice difficile là, pour l'esprit. Il faut qu'il s'épure lui-même, il faut qu'il soit décidé à la contemplation, en quelque sorte, qu'il fasse abstraction de soi, qu'il fasse preuve d'abnégation, qu'il soit entièrement disponible à l'autre. C'est sur le modèle de l'amour divin. C'est la même chose. L'intelligence est avec l'objet ce que Dieu est à Dieu, c'est-à-dire il s'aime, l'objet. Et l'intelligence s'aime entre eux. Et dans Maritain, en particulier, son intelligence s'exprime d'une manière tout à fait exceptionnelle, enfin, dans les leçons sur l'être. C'est le livre de Maritain que j'ai le plus lu. Alors je pourrais presque dire, comme Avicenne, qui avouait qu'il lui arrivait de relire 40 fois une page d'Aristote sans la comprendre, moi, il m'est arrivé d'en lire 80 fois certaines pages de cette leçon sur l'être sans les comprendre du tout. Mais j'en subis le charme. D'abord, le langage est merveilleusement poétique. Ce Maritain, qui est professeur de philo, parle comme un grand poète. Il a une richesse de vocabulaire et d'expression. Il arrive à faire sentir les nuances de pensée les plus fugitives. Il arrive à décrire l'être comme David parle de Dieu. Enfin, il a des moments psalmiques dans les sept leçons sur l'être. Alors rien que cette musique est déjà un charme. Ça vous attire, on a envie de savoir ce que c'est que cet être mystérieux dont il parle si bien et qui a l'air de lui donner une espèce d'enthousiasme sacré. Alors il vous donne des voix gentiment pour approcher ce mystère fondamental comme ça. Alors je ne me rappelle plus très bien, mais il y a trois voix. Ça peut être l'intuition de la durée, comme disait Bergson. On peut, par la durée, avoir une idée de ce que la philosophie, la vraie, la grande, celle d'Aristote et de Maritain, appelle l'être. Il y a aussi l'angoisse. Là, ce serait plutôt le genre Heidegger, ou certaines vérités morales, comme la fidélité, l'expérience de la fidélité, pourrait peut-être arriver à donner une certaine intuition de l'être. Mais il dit bien et très gentiment que ça ne suffit pas, ça n'est que des procédures d'approche et ça ne vous livre pas la réalité de l'être. Alors on cherche soi-même, on dit, voyons, par quels moyens peut-on approcher de ce transcendantal, insaisissable apparemment. Alors il y a différentes méthodes. Il y a peut-être la contingence, le simple fait qu'une chose soit ou une chose qui est puisse ne pas être. Ça donne la révélation de sa précarité et en même temps de son caractère irremplaçable, du fait qu'elle ne pourra plus ne pas avoir été après qu'elle sera. Donc, par là, par ce jeu entre l'ombre et la lumière, entre l'être et le non-être, on arrive à peut-être à
touché en partie ce que Maritain et Aristote veulent dire quand ils parlent de l'être en tant qu'être. Je pense qu'avec André Frossard, nous sommes en plein réalisme critique, suivant la formule que Jacques Maritain proposait pour sa philosophie. C'est ainsi qu'il entendait défendre la métaphysique. « Vous êtes, m'a-t-on dit, comme un déchiffreur de magie noire qui nous commanderait de voler avec nos bras. Non, je vous demande de voler avec vos ailes. Mais nous n'avons que des bras. Des bras. Des ailes atrophiées, ce qui est tout autre chose. Elles repousseraient si vous aviez du courage. Si vous compreniez qu'on ne s'appuie pas seulement sur la terre et que l'air n'est pas vide. Invoquer contre la philosophie une simple impossibilité de fait, un certain état historique de l'intelligence, lui dire « ce que vous offrez sur notre marché est peut-être la vérité, mais notre structure mentale est devenue telle que nous ne pouvons plus penser votre vérité, car notre esprit a changé comme notre corps », est un argument strictement nul. C'est cependant le meilleur qu'on puisse opposer à l'actuelle renaissance de la métaphysique. La pente de l'intelligence moderne est contre nous ? Eh bien, les pentes sont faites pour qu'on les remonte. L'intelligence n'a pas changé de nature, elle a pris des habitudes. Les habitudes se corrigent. Seconde nature, mais la première est toujours là. Et le syllogisme durera aussi longtemps que l'homme. J'ai connu personnellement Jacques Maritain en rentrant de la Grande Guerre à la fin de 1919. J'étais beaucoup plus jeune que lui, mais nos aspirations profondes étaient analogues. J'ai rencontré chez les Maritains, à Versailles, puis à Meudon, des penseurs, des religieux, des artistes qui devinrent souvent nos amis. Un des hommes qui ont fréquenté Versailles avant Meudon est un jésuite. Il était fort jeune en 1916, mais il est ici pour nous parler un peu de ce qui avait lieu le dimanche rue Neuve et comment lui-même était venu à Jacques Maritain. Volontiers. Je n'oublie pas d'ailleurs que c'est chez Jacques Maritain que je vous ai vu pour la première fois et que j'ai lié amitié avec vous. En effet, c'est en 1916, au mois d'octobre, que commençant ma philosophie au petit séminaire de Versailles, j'ai eu pour professeur Jacques Maritain. Nous n'étions pas peu fiers dans notre très clérical collège d'avoir pour nous enseigner la philosophie un agrégé de l'université, ancien élève de Bergson, mais aussi l'ami de Charles Péguy, dont la mort à l'été 14, comme celle de Psychary, avait ému nos jeunes âmes. Notre maître était leur ami, et ce fut le point de départ de notre sympathie pour lui. Pour nous préparer au baccalauréat, il nous enseignait la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Il nous a fait thomistes. Peut-être pas tellement pour les raisons qu'il apportait que pour la sympathie qu'il dégageait, la manière qu'il avait de nous en parler. Pour lui, le thomisme était vraiment une dévotion. Étant externe, j'ai eu bien souvent la joie de faire route avec lui tout le long de la rue Royale jusqu'à la gare Rive Gauche où il allait prendre son train pour faire son cours à l'Institut catholique après avoir fait sa classe le matin. Une amitié en est née. Il fut le confident privilégié, je peux dire, de ma vocation religieuse, et j'admire encore le tact, la discrétion avec laquelle il me répondait à mes questions. Il n'a pas essayé de faire de moi un dominicain, il a accepté que je me fasse jésuite. J'ai été mobilisé en avril 1917, après avoir passé mon baccalauréat grâce à la préparation de Jacques Maritain. Mais pendant toute cette période du bataillon d'instruction, je recevais les billets de Jacques Maritain, de cette petite écriture fine qui va rester la sienne jusqu'à la fin de sa vie. En 1918, dans la tranchée près de Saint-Quentin, j'ai reçu de lui le livre du père Clérissac dont il avait fait l'introduction, Le mystère de l'Église. Et je dois dire qu'en lisant le dernier de ses livres, De l'Église du Christ, la personne de l'Église et son personnel, je le retrouve tel qu'il m'apparaissait dans sa préface au livre du père Clérissac. Il avait gardé, développé seulement, la même mystique
de l'Église, corps mystique du Christ. Il avait l'enthousiasme des idées neuves, des chemins non battus, tout en gardant la prudence, qui pour saint Thomas est une vertu cardinale et qui l'était aussi pour Jacques Maritain. Il y avait chez lui ce mélange de prudence, de sagesse liée à la vie surnaturelle, à la grâce, et en même temps d'enthousiasme pour les jeunes, pour les initiatives hardies. J'étais là, en 1960, quand il est revenu avec Raïssa et qu'elle a fait une congestion cérébrale. Je lui ai donné l'extrême onction. Après lui avoir donné l'absolution, elle ne pouvait pas parler. Elle parlait des yeux. C'était déjà un très beau langage. Elle était d'une lucidité totale. Jusqu'à sa mort, j'ai été périodiquement rue de Varennes lui porter la communion. Jacques Maritain est venu avec sa nièce Evelyne Garnier dans la petite chapelle qui était là à deux pas. Et de là, j'allais porter la communion à Raïssa après qu'ils avaient tous les deux assisté à la messe. Ce fut une agonie à la fois douloureuse et pleine de sérénité surnaturelle. Je suis arrivé quelques minutes après sa mort. J'ai assisté à son enterrement. On ne concélébrait pas à ce moment-là. Je l'ai fait de cœur. C'était Monseigneur Journet qui célébrait la messe, comme de juste. Et puis, je l'ai revu à Toulouse. Je l'ai revu à Kolbsheim. Nous nous sommes écrits. Il m'a envoyé ses derniers livres. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ses jugements trop radicaux sur le père Teilhard et ce qu'il appelle la grande fable. Il n'était pas de la même école, incontestablement. Mais il s'estimait certainement. Par contre, dans le dernier livre de l'Église du Christ, la personne de l'Église et son personnel, je pouvais être totalement d'accord avec lui. Je l'ai dit dans le Figaro. Il m'en a remercié avec beaucoup d'affection en signant, comme toujours, le vieux Jacques. Il nous a quittés, mais pour nous, il est toujours là. Son œuvre considérable nous reste, et surtout ses orientations que les déclarations de Vatican II, spécialement sur l'Église dans le monde de ce temps, ont magnifiquement consacré, comme le geste de Paul VI, lui remettant à la clôture du concile le 8 décembre 1965 le message du concile aux intellectuels. Le père Riquet, je l'ai retrouvé dans la résistance. Nous avions d'autres amis communs. Lui et moi, nous sommes passés par Fresnes. Mais lui a été déporté, moi non, par une espèce de miracle. Jacques Maritain, comme beaucoup de convertis, ayant échappé à un affreux désordre intellectuel, avait cru trouver dans l'ordre de chrétienté, qui semblait pouvoir subsister encore, le meilleur modus vivendi pour un esprit comme le sien au milieu d'un monde se déchristianisant et que devait retenir une certaine cohérence de structures établies pour ne pas retourner au chaos où les ennemis de l'Église n'eussent pas craint de vous engloutir. Mais le philosophe, dans son carnet de notes, s'est expliqué. Il avait fait confiance, comme on vient de le dire, au père Clérissac. Jacques avait admiré en Maurras une intelligence de la chose publique dont aucun de ses adversaires ne faisait preuve alors. Quand le journal de l'Action française fut proscrit, il essaya auprès de Maurras de plaider la haute raison de l'Église et celui-ci, refusant toute soumission, son agnosticisme religieux ne lui faisant pas une obligation de s'incliner devant un pape qui ne l'intéressait que comme symbole d'une autorité occasionnelle, le philosophe thomiste sur lequel les gens d'Action française avaient misé rompit ainsi et définitivement avec une cause qui avait eu sa sympathie de néophyte mais non son adhésion.
Cette rupture produisit une scission dans les rangs des catholiques de France. La blessure se fera plus lancinante 9 ans après, au moment de la guerre d'Espagne, lorsque des catholiques bien plus nombreux que n'en comptait l'Action française, et parmi ceux-mêmes qui s'étaient détachés de Maurras et de son mouvement, virent rouge les chrétiens qui ne prenaient pas parti pour le général Franco et qui déjà assistaient de loin à la montée du péril nazi ou simplement fasciste. Marita n'a pas eu au début un public très étendu. Son thomisme en France le faisait exclure du circuit de la pensée vivante, vivante aux ironies, disons simplement de la pensée officielle. À la Sorbonne, on a très longtemps feint de la tenir pour méprisable. Même pour le combattre, on n'étudie pas saint Thomas, sous prétexte que saint Thomas, d'une part, est un monde, et que d'autre part, ce monde n'est plus habité par les esprits qui nous entourent, et au bénéfice desquels nous produisons de la connaissance. Autrement dit, nos clients ne demandent pas cet article-là. Mais il se trouve que Jacques Maritain, sans y mettre de malice, a eu la bonne idée, assez tôt, de frapper à la porte des artistes, et à travers eux, des poètes. Art et scolastique, dès que cette brève étude parut dans la revue Les Lettres en 1919, fut pour plusieurs d'entre nous un événement ou, comme on a coutume de dire, une révélation. La beauté est le resplendissement de la forme sur les parties proportionnées de la matière. Et encore, l'art, qui rectifie le faire et non l'agir, se tient donc en dehors de la ligne humaine. Il a une fin, des règles, des valeurs qui ne sont pas celles de l'homme, mais celle de l'œuvre à produire. Cette œuvre est tout pour l'art. Il n'y a pour lui qu'une loi, il est humain, essentiellement humain, par son mode d'opérer. C'est une œuvre d'homme qu'il s'agit de faire, il lui faut la marque de l'homme. Ainsi Maritain dénonçait l'erreur de l'académisme, qui tente à effacer de l'œuvre, où l'on plaque une perfection arbitraire venant d'un idéal extérieur, toute trace d'émotion humaine. Voilà quel a été le commencement de son prestige dans les milieux laïcs. Il avait déjà un groupe de jeunes philosophes prêts à le suivre, des théologiens, des spirituels. Mais il n'existait guère de pont entre eux et les artistes, ou les poètes dits d'avant-garde, les vrais, ceux qui honorent le passé en ne faisant pas du passéisme. On rencontre alors chez Jacques Maritain, outre Georges Rouault, ami de longue date, et Maurice Denis, peintre catholique en vogue, sa fille Noël, qui s'engagea dans la petite troupe des étudiants en philosophie scolastique. Des peintres, comme Gino Severini, un des premiers futuristes qui avait épousé la fille de Paul Fort, Chagall, sur qui Raïssa écrira un beau livre, Marc Chagall ou L'orage enchanté, Jean Hugo, et même le sculpteur Arp ou Marek Schwartz, juif chrétien, et des peintres de diverses nationalités. Le thomisme de Maritain veut s'intéresser à tout ce que les connaissances humaines apportent de nourriture assimilable à la philosophie de l'être. L'espoir du philosophe dans les années 30 était de grouper des disciples de la vérité qui eussent étudié, par amour de la même vérité, chacun un secteur de son choix. Olivier Lacombe, qui vint à Maritain en 1927 avant son agrégation, parce qu'il était non seulement un philosophe mais aussi un spirituel, allait prendre courageusement comme objet la métaphysique de l'Inde. Il en sortira une thèse admirable, l'absolu dans le Vedanta. Roland Dalbiez prendra la psychanalyse avant qu'elle se répandît partout. La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne restent un livre sans égal pour la philosophie en jeu. Yves Simon traitera de la connaissance, d'autres, éveillés par Massignon, se spécialiseront dans la mystique de l'islam, etc. Mais je laisse parler mon ami Olivier Lacombe, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et directeur de l'Institut de civilisations indiennes. Avant de rencontrer Jacques Maritain en 1927 pour la première fois, je le connaissais déjà par la lecture d'un ou deux des ouvrages importants qu'il avait déjà publiés. Et cette lecture m'avait été droit au cœur, ou si vous voulez, droit à l'esprit à travers le cœur.
Il y avait en moi, qui était fort jeune à cette époque, une soif d'absolu et de fidélité à la foi chrétienne de mon enfance, que je trouvais comblée dans les premiers ouvrages de Jacques Maritain. Aujourd'hui, il est d'usage de tout mettre en question. Je ne dis pas qu'en 1927, on ne mettait pas en question un certain nombre de problèmes, mais les valeurs de fidélité, les valeurs d'approfondissement dans la fidélité nous apparaissaient essentielles, au moins à quelques-uns d'entre nous. C'est donc la soif de l'absolu qui m'a dirigé vers Jacques Maritain, l'absolu aussi bien philosophique, puisque j'avais une vocation philosophique déjà bien déterminée, et l'absolu spirituel. Et je trouvais les deux chez lui harmonieusement associés. Et puis, ce fut la rencontre personnelle et cette merveilleuse capacité d'accueil qu'il avait, qui, lorsque les cœurs convergeaient, rendait tout possible de sa part. Vint l'année de l'agrégation, 1928, il fallait bien la passer, et c'est à ce moment que Jacques Maritain, peut-être inspiré par Raïssa sur ce point, me suggéra de m'occuper de l'Inde. Ce n'était évidemment pas par hasard, il avait probablement des raisons de penser que je répondrais à une pareille interrogation. En tout cas, la réponse vint, et depuis, tout en restant philosophe, tout en restant chrétien, je suis devenu, comme on le sait, un indianiste qui a consacré maintenant près de 40 ans de sa vie à pénétrer dans la pensée indienne. Pourquoi un chrétien, un jeune chrétien, un jeune philosophe en 1927 voulait-il connaître l'Inde? Parce que la vérité est consonante à la vérité et qu'il faut la trouver partout où elle est et que ces trésors de sagesse accumulés pendant des millénaires du côté indien et qu'on commençait à connaître assez bien à cette époque méritaient certainement plus qu'un hommage lointain. Parce que le devoir d'ouverture du cœur et de l'esprit me paraissait le premier devoir de l'intellectuel chrétien et catholique à cette époque. Je n'ai d'ailleurs pas varié sur ce point, et ce n'est certainement pas le thomisme de Jacques Maritain qui m'en aurait dissuadé, bien loin de là. Il a été au contraire l'inspirateur de cette ouverture dans beaucoup de domaines, dont celui auquel j'ai dû consacrer ma vie. Fidélité et ouverture, voilà le grand thème que j'ai trouvé dans l'œuvre, dans la vie, dans la pensée de Jacques Maritain, et auquel je me suis efforcé de rester moi-même accordé pendant toute ma vie. Mais pas ouverture sans fidélité, et pas de fidélité sans ouverture. Je crois que les deux exigences sont aussi fortes l'une que l'autre, d'une certaine manière, et que l'une ne va pas sans l'autre, et que sans l'autre, l'une se ruine, ou se vide, ou se dessèche. Et comment cela se rattache-t-il aux théories de saint Thomas? Pourquoi saint Thomas nous rend-il si libres pour nous occuper de choses extrêmement diverses? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il va à l'essentiel, tout en restant très humain. Sa métaphysique, sa philosophie d'une façon générale, la philosophie et la métaphysique sous-jacente à son œuvre théologique, prend pour centre l'incarnation. Dieu est l'incarnation. Et par conséquent, d'une certaine façon, l'homme. Et la métaphysique qu'il préconise, à la suite d'Aristote, redécouvert peu de décades avant, est une métaphysique non pas de l'ange, mais de l'homme. Saint Thomas est connu comme le docteur angélique parce qu'il a écrit un magnifique traité des anges, mais sa philosophie est une philosophie d'homme pour les hommes qui s'élèvent jusqu'à Dieu ou qui préparent les voies de l'élévation jusqu'à Dieu. C'est donc cette humanité
de la philosophie de saint Thomas, en même temps que son amplitude merveilleuse et sa profondeur qui va jusqu'à l'être, jusqu'à l'essentiel, donc jusqu'à l'absolu, n'est-ce pas, qui fait que, à partir des fondements de sa doctrine, l'esprit peut rayonner dans toutes les directions, comme l'a montré admirablement l'ensemble de l'œuvre de Jacques Maritain. En 1924, nous avons fondé chez Plon une collection, le Roseau d'Or, qui eut un grand retentissement. Nous étions quatre directeurs au Roseau d'Or. Jacques Maritain, le plus important, Henri Massis, à mon gré trop politique ou trop réactionnaire, Frédéric Lefebvre, rédacteur en chef des Nouvelles Littéraires, le journaliste d'une heure avec, et moi, leur cadet. Le Roseau d'Or laissait la partie philosophique à Jacques, mais lui se plaisait à la déborder pour rejoindre un Cocteau, un Ramuse, un Supervielle, un Max Jacob, un Pierre Reverdy, etc., qui s'ajoutèrent à Henri Guéon, l'ami de la maison le plus gentil, le plus gai des compagnons chrétiens. Et bien entendu, nous désirions avoir Claudel, mais il était lié par contrat à Gaston Gallimard. Nous aurons pu, malgré tout, avoir, par mon intermédiaire, pour notre premier numéro de chronique, la première journée du soulier de satin in extenso. L'ensemble de la grande action espagnole ne devait paraître en librairie qu'un an plus tard. J'ai dit Cocteau. Effectivement, il joue un rôle considérable dans l'évolution de Jacques Maritain pour ce qui concerne la poésie même. Georges Auric, c'est vous, un musicien, qui avez amené Jean Cocteau et tout ce qui s'en suivit à Meudon. Or, c'est que vous-même, tout jeune, aviez fréquenté Léon Blois. En effet, à 16 ans, j'étais allé trouver Léon Blois, qui habitait, comme vous le savez, Bourg-la-Reine. J'avais été envoyé chez Blois par Ricardo Vignès, qui était un admirable pianiste, malheureusement disparu depuis assez longtemps, et qui était un fanatique de Blois, qui m'avait beaucoup fait lire toutes sortes d'ouvrages de Blois. Je les avais admirés énormément, et j'avais voulu connaître Blois. Je lui ai écrit, il m'a demandé de venir le voir, et cet homme redoutable, redouté, m'a reçu avec une, je dois dire, cordialité absolument extraordinaire et inoubliable. Ce qui fait que, très rapidement, j'ai pris l'habitude d'aller tous les jeudis dîner chez Léon Blois. Et j'y rencontrais régulièrement un homme que j'aimais profondément, qui est disparu il y a déjà maintenant pas mal de temps, qui était Pierre Vandermeer, et Jacques Maritain, que j'ai connu en même temps que Vandermeer chez Blois. Pierre Vandermeer et Jacques Maritain étaient tous les deux des filleuls de Blois. Ça représente des souvenirs assez inoubliables et ça représente la connaissance, la meilleure connaissance de Jacques Maritain. C'est à ce moment-là que je l'ai fréquemment vu, revu, connu, mieux connu et tout de suite admiré. Parce que même dès les premières semaines où on rencontrait un homme comme Maritain, je crois que toujours il a été le même homme que nous avons connu jusqu'à la fin. Un homme d'une transparence, d'une pureté absolument rarissime. Et vraiment, j'avais une joie extraordinaire à le connaître et à le mieux connaître. Les mois ont passé. Tout cela se passait pendant la guerre, puisque c'est en 1915, en 1916, que ces premières rencontres avaient eu lieu. J'ai moi-même été mobilisé, comme beaucoup de gens, et j'ai été mobilisé à un endroit qui était Le Mans, dans la Sarthe. Et il s'est trouvé que vers la fin de la guerre, en 1918, Jacques Maritain et sa femme, Raissa, sont allés habiter dans un petit village de la Sarthe, qui s'appelait Verny. Et entre autres choses, il s'est trouvé que j'avais connu d'autre part quelqu'un de complètement différent, évidemment, de Blois pour commencer, et ensuite de Jacques Maritain, de Pierre Vandermeer, de tout le milieu que pouvait représenter Blois et ses amis, ses disciples. J'avais connu, et très bien connu, Jean Cocteau, qui, lui, était l'homme très jeune qui, à cette époque, était passionné pour la découverte, la recherche de formes d'art complètement nouvelles à ce moment-là. Et il venait de publier
un poème qui est aujourd'hui très peu lu, je pense, dans toute son œuvre. C'était la première fois où il se risquait dans un domaine qui n'avait pas été le sien jusqu'à ce moment-là. C'était un grand poème qui s'appelle « Le Cap de Bonne-Espérance ». C'est ça. Et j'avais donc ce livre avec moi dans ma caserne et je l'ai porté un dimanche avec ma bicyclette chez les Maritains à Verny. Et je me souviens, après notre déjeuner, je leur ai lu ce poème, ce qui était d'ailleurs une lecture assez longue, car c'est un très long poème. Je ne sais pas comment je l'ai lu, mais en tout cas, ça a énormément frappé Jacques et Raïssa Maritain. Et ils ont eu tout de suite envie de connaître Jean Cocteau. Je pense que la connaissance de Cocteau et l'intérêt de Cocteau pour eux, c'était de découvrir un poète. Ils ont été frappés parce que, vivant évidemment dans un monde où tout était plutôt spéculation philosophique, la découverte d'un lyrisme qui n'était plus du tout celui qu'ils avaient pu approcher, même chez les plus hauts mystiques, eh bien, ce lyrisme, au contraire, d'un humain, peut-être trop humain, mais enfin d'un humain, ça les a absolument frappés, saisis, requis, et ils ont eu envie de connaître Cocteau. Et je leur ai donc, alors arrivé à Paris, quand tout mon aventure militaire s'est terminée, heureusement, et j'ai aussitôt mis en rapport Cocteau avec Jacques et Raïssa Maritain. Et ces rapports ont été également immédiatement excellents. Cocteau, qui était un charmeur, a décidé de séduire ce couple et il a très bien compris qu'il se trouvait devant des êtres exceptionnels, aussi éloignés de lui que lui pouvait être éloigné d'eux. Alors, par conséquent, cette rencontre a été excellente. Je pense que l'un et l'autre se sont mutuellement découverts, révélés des univers qui étaient assez essentiels pour eux, parce que le très grand philosophe qui était Jacques Maritain, évidemment, peut-être, sans cette rencontre, n'aurait pas vu s'ouvrir devant lui toute une perspective lyrique, poétique, qui devait le conduire, ainsi que Raïssa, qui était, elle, fascinée par cette découverte, eh bien, qui devait le conduire, lui et Raïssa, vers toutes sortes de sensationnelles, inoubliables et essentielles beautés. Jusqu'alors, évidemment, tout à fait méconnu par lui. Et Éric Satie, est-ce vous qui l'avez présenté ou est-ce Cocteau? C'est moi. C'est vous, moi, encore. Satie, c'était peut-être avant la découverte de Cocteau. Oui. Jacques Maritain habitait Versailles. Oui, c'est ça. Et j'allais également, j'ai l'air d'aller, dans ma jeunesse, d'être allé beaucoup dîner chez un tas de gens, puisque j'allais chez Blois tous les jeudis, eh bien, j'allais également avec, mais alors accompagné par Vandermeer, nous allions dîner chez Maritain à Versailles, et je me souviens qu'il y avait un petit piano dans une pièce de cet appartement des Maritain à Versailles, et je leur portais de la musique. Et c'est moi qui leur ai parlé de Satie. Et je crois que ça a été une très bonne chose, car on en retrouve, et c'est ça, c'est tout Jacques Maritain, on en retrouve plus tard dans Art et Scolastique. Il y a des références qui, évidemment, à cette époque, peuvent paraître ahurissantes pour certains lecteurs qui ne savaient même pas qui était Satie. Et puis on voit tout d'un coup, brusquement, invoquer l'art, le dépouillement de Socrate, de Satie, par exemple, que Maritain admirait, aimait beaucoup, aimait profondément. Et tout cela, je pense que, mon Dieu, j'en suis peut-être un peu responsable et j'en suis très fier. Thank you.
le premier volume de la collection, Trois réformateurs, Luther, Descartes, Jean-Jacques Rousseau, fit plus pour Maritain que ses précédents ouvrages. Ce livre lui ouvrait la porte de l'existence dans le monde littéraire. Le succès qu'il obtint dépassa nos prévisions. C'est Henri Guéon qui fut l'auteur du second volume. Sa pièce racinienne, mais en prose, était une sorte de tragédie émouvante, Le comédien et la grâce, tirée de la légende du comédien qui devint Saint Genet. Puis un Ramus, très original, L'amour du monde, suivirent la correspondance de Jacques Rivière et de Paul Claudel, et le premier livre traduit d'une langue étrangère, Saint-François d'Assise, d'un auteur anglais qui nous ravissait, J.K. Chesterton. Les romans succédèrent aux essais. Nous découvrîmes un romancier de 38 ans, au nom inconnu, un certain Georges Bernanos, et l'on peut dire que son premier livre, Sous le soleil de Satan, fut un best-seller avant la lettre, que les éditeurs, sans nous, auraient pu écarter. Évidemment, il fallait des romans pour toucher un plus vaste public. Un second parut, Le Vasco de Marc Chadourne. Et, en troisième lieu, ce jeune romancier, qui allait à son tour se signaler à l'attention pour une carrière littéraire des plus enviées, Julien Green. On sait qu'il était né en France, mais ses parents étaient des Américains de Virginie. Le Roseau d'Or publia deux livres de lui, Adrienne Mesura et Léviathan. Julien Green trouva en Maritain un ami exceptionnel. Son témoignage que nous allons entendre le prouvera aisément. Cher Julien Green, comment avez-vous rencontré Jacques? À quelle occasion? Dans quelles circonstances? Je pense que vous devez vous en souvenir comme moi. C'est par vous, Stanislas Fumé, que j'ai connu Jacques Maritain. Vous aviez lu mon petit livre, le pamphlet contre les catholiques de France. Vous l'aviez essayé de lire à Jacques Maritain. Et il avait exprimé le désir de me voir. Je n'arrive pas à me souvenir de la première entrevue. Je crois, sauf erreur, qu'il a dû m'écrire pour me demander de venir le voir à Meudon. Et je suis allé le voir là-bas, dans cette maison qui devait tellement compter pour moi, où j'ai rencontré non seulement Jacques, mais Raïssa et aussi sa belle-sœur Vera. Et Jacques m'a fait une impression extraordinaire parce que je ne dirais pas que c'était le premier catholique que je rencontrais, mais c'était un homme qui croyait tout ce que croyait l'Église, qui en parlait. J'avais jamais vu d'homme comme ça, j'avais jamais eu l'occasion de parler à un homme comme Maritain. Quand je dis le premier catholique avec qui j'ai parlé, je veux dire c'est le premier catholique avec qui j'ai pu avoir des conversations extrêmement longues sur la religion. C'était une sorte d'exploration de toute la foi. Et ce qui me frappait en lui, c'était d'abord la personne humaine qui était étonnante, la beauté du visage d'abord, le rayonnement qu'il y avait autour de lui et sa courtoisie extraordinaire, raffinée même. Quand on lui posait une question, il répondait exactement comme s'il parlait à un égal. Et pour expliquer les choses les plus compliquées, il était d'une clarté étonnante. Alors que je ne comprenais pas ses livres, dès qu'il m'expliquait une question difficile, je comprenais. Et il n'y avait jamais de condescendance de sa part. Ce que je veux dire, c'est qu'il était poli au point de me parler exactement comme si j'avais été aussi philosophe et aussi théologien que lui. Et je parlais de sa personne physique. Il y avait chez lui une grande élégance. Ça m'avait aussi beaucoup frappé. Sa silhouette était très élégante. Et il avait la tête penchée un peu de côté avec une petite écharpe qu'il ne quittait jamais autour du cou. Et une voix très douce, un regard splendide, des yeux clairs. Mais on devinait qu'il y avait chez lui, derrière toute cette douceur, une grande impatience. Peut-être une sorte d'irascibilité. Il pouvait se mettre en colère, pas avec moi, mais il a dû se mettre en colère pas mal de fois dans sa vie. Et on sentait cela dans sa voix et dans toute sa façon de se comporter. Nous nous sommes vus très souvent. Il a publié dans Le Roseau d'Or Adrienne Mesura, puis Léviathan. Nous n'étions pas tout à fait d'accord sur le sens de ses romans. Il y voyait des romans catholiques, mais moi je protestais par simple honnêteté, parce que ce n'était pas dans cet esprit-là que j'avais écrit ces livres. Mais il y voyait, je crois, le monde sans la grâce.
formule extrêmement, large. On pourrait y faire entrer n'importe quoi. Après, pourquoi pas Maupassant et Zola, pendant qu'on y est. Enfin, c'est comme ça. Jacques Maritain a toujours vu les choses d'une telle manière qu'il vous amenait à la nécessité de la foi. Il est arrivé à ouvrir la porte de l'Église à des gens qui en étaient très éloignés, mais il faisait ça avec simplicité, à cause de sa foi, comme vous disiez. Sa foi était encore plus grande que lui. Il l'a communiqué aux personnes à qui il parlait. Quand on était avec Maritain, on croyait. Vous disiez tout à l'heure qu'il ouvrait la porte. C'est vrai, il m'a ouvert ou rouvert les portes de l'Église, peut-être. Mais il y a mis du temps parce que, là encore, il y avait chez lui un respect de la liberté de l'individu. Et il ne voulait absolument pas pousser les gens dans un sens ou dans l'autre. Mais il ouvrait la porte et, sans rien dire, il proposait qu'on passe le seuil, tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait avec moi, bien sûr. Le cœur de Jacques Maritain c'était un très grand cœur, un cœur lumineux, et c'était vraiment un foyer de charité. Et nous nous sommes vus de plus en plus souvent, surtout après la guerre. Il y avait entre nous une grande amitié. Mais ce qui me frappait beaucoup chez lui, c'est que il avait pour les personnes qu'il aimait, comme je crois que ma sœur et moi nous étions de ce nombre, une sorte de tendresse. Mais la tendresse prenez la place de la familiarité. C'est assez curieux, c'est très difficile à expliquer, mais il y avait un tel désir de ne jamais rien dire qui puisse heurter, n'est-ce pas, ou créer le moindre malaise, qu'on sentait cela chez lui. Il y avait une grande liberté, en même temps, toujours le respect de la personne à qui il parlait. Ça nous frappait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup touché. Dans les derniers temps, il était de plus en plus affectueux. Je crois qu'il sentait qu'il allait partir. Il grimpait mes quatre étages rue de Varennes. Je me souviens d'un jour où j'étais allé le chercher à la porte, enfin dans la rue. Il s'habillait d'une façon incroyable à ce moment-là. Il s'était inventé un costume bizarre avec une sorte de bonnet d'Arménien et puis de grosses chaussures qui ressemblaient plutôt à des pantoufles, n'est-ce pas, on ne savait pas très bien. Et puis enfin, avec ses beaux cheveux blancs. Mais je me souviens qu'un jour, je l'avais reçu en bas et nous avions tous les deux grimpé l'escalier. Il s'arrêtait à chaque marche à cause de son cœur qui était fragile. Et il me parlait d'un philosophe ou d'un homme dont il estimait qu'il n'était pas du tout philosophe. Et à mesure qu'il montait, l'estime que je pouvais avoir pour ce philosophe en question baisser d'une marche. C'était curieux, parce qu'on arrive en haut d'escalier, il ne restait plus grand-chose de la réputation de ce monsieur. Qui pourtant, c'était un monsieur dont il respectait beaucoup la personne, mais non, la philosophie à ses yeux ne valait rien du tout. Il pouvait être sévère aussi, mais il était toujours bon. Enfin, quand on le voyait, on se disait, mais cet homme est un saint. Il ressemblait en tout cas à l'idée que je me formais d'un saint. Voilà. Et il vous aimait énormément. Oui, en effet, il était d'une très grande fidélité. Et j'ai reçu de lui des lettres, d'innombrables lettres, écrites dans une langue admirable, admirable de simplicité, de clarté. Et l'écriture n'a jamais varié du reste. Il a toujours gardé son écriture de jeune homme. Et ces lettres sont importantes parce qu'il y dit toutes sortes de choses importantes. Et il y est lui-même. J'avais beau lui dire, Jacques, je ne peux pas comprendre vos livres. Ça lui était absolument égal. Il me les envoyait l'un après l'autre. Mais, les degrés du savoir, toutes ces belles choses que je comprendrais peut-être dans un autre monde, pas dans celui-ci. Mais dans ses lettres, il se donnait tout entier, tout le cœur y était. Il n'y avait jamais la moindre trace de supériorité. Il se mettait à mon niveau, enfin, il descendait pas mal pour ça en philosophie et pour bien d'autres choses. Mais c'était en cela que se voyait sa politesse et naturellement le raffinement de sa culture, qui était immense. Le Roseau d'or a cessé de paraître en 1931. Les plus grands auteurs ont ainsi paru sous notre firme. Il y aurait trop de noms à citer. Il viendra un jour où il faudra quelque peu renouveler le genre. Nous quitterons les éditeurs Plomb pour émigrer chez Decle de Bouwer, qui devient notre maison. Car Pierre Vandermeer, un autre filleul de Léon Blois et ami intime de Jacques, dont a parlé Auric, et moi-même, devînmes directeurs à Paris de ces éditions imprimées à Bruges.
C'est alors que les îles naquirent avec leur courrier des îles, un véritable prolongement du Roseau d'or fondé sur les mêmes principes et qui publièrent maints volumes d'un caractère analogue. Maritain, dont l'activité avait quelque chose de confondant, ne s'en tint pas aux îles, mais dirigea plusieurs collections philosophiques, et c'est nous qui publiâmes les études carmélitaines, l'œuvre du père Bruno, un converti ami des Maritains, qui avait fait paraître dans le Roseau d'or son grand livre sur Saint-Jean de la Croix. C'est chez Desquets de Brouwer que parut l'ouvrage capital de Jacques Maritain, distingué pour unir ou les degrés du savoir. C'est encore là que paraîtront ses deux derniers ouvrages, Le paysan de la Garonne et De l'Église du Christ. C'est également là que parut le livre de Raïssa Maritain, Les grandes amitiés. Cette musique n'est plus, on l'a deviné, d'Éric Satie. Arthur Lourier n'appartenait pas du tout au même esprit ni à la même école. Il venait de Russie soviétique, il avait été l'ami du grand poète Alexandre Bloch et n'avait pas seulement une culture musicale, c'était un musicien dégagé et pensant. Il se lia très vite avec les Maritains et c'est chez eux à Meudon que je l'ai connu moi-même. Il était à cette époque en très bon terme avec Igor Stravinsky. Nous nous voyions souvent. Trois Français se sont attachés plus spécialement à ce compositeur. Jacques Maritain, Henri-Irénée Maroux, Henri d'Avançon, et Jean Lalois. Ce dernier, fils de notre ami Louis Lalois, du Roseau d'or et des îles, est resté en relation avec Arthur Lourier jusqu'à sa mort en 1866 aux États-Unis, où il s'était installé auprès des Maritains. Louis Lalois était sinologue et critique musical. Jean Lalois est un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay et un spécialiste de la langue russe. Il a traduit notamment les récits d'un pèlerin russe, merveilleux petit livre d'un mystique anonyme du XIXe siècle. Est-ce parce qu'il était russe, Jean Lalois, que vous avez été attiré par Lourier? Oui, naturellement, ça joue un rôle. Et dans les premiers moments de nos rencontres, le fait qu'il avait participé à la Révolution russe, tout ça lui donnait une sorte d'auréole extraordinaire. Mais en fait, ce qui m'a fixé mes rapports avec Arthur Lourier, c'est sa musique. Car cette musique a porté avec elle, dans cette période déjà marquée par le formalisme si caractéristique de l'art moderne, quelque chose de tout à fait surprenant et nouveau. Il y avait dans sa musique, d'une part, une grande perfection technique, le fait qu'il avait assimilé les styles les plus modernes, y compris le style sériel, qui à l'époque était encore peu connu, et qu'il avait dépassé tout cela, et écrivait dans une écriture d'inspiration modale, qui permettait à la fois une puissance et une violence intense, et un lyrisme et une délicatesse qui donne à sa musique un caractère, à mon avis, tout à fait extraordinaire. Il n'a pas été récompensé par la notoriété qu'il aurait dû avoir en raison des événements. Il a disparu de France en 1940 pour les États-Unis, alors que l'œuvre dont nous avons entendu un fragment, Le Festin pendant la peste, avait été reçue au Théâtre national de l'Opéra et devait être mise en scène par Liffard. Et aux États-Unis, où il a été beaucoup joué, sa musique s'est développée, mais n'est pas revenue vers l'Europe après la guerre. Lourier, je crois, est par rapport à la musique contemporaine ce que Baudelaire a été par rapport au symbolisme, c'est-à-dire celui vers lequel on se tournera pour découvrir qu'il avait déjà transcendé toutes les recherches qui sont actuellement si nombreuses et qu'il avait retrouvé, comme il le dit lui-même, la mélodie qui est l'essence même de la musique et sans laquelle aucune musique ne peut ouvrir l'esprit vers le mystère. Thank you.
depuis art et scolastique jusqu'à l'intuition créatrice dans l'art et la poésie qui paraissait aux États-Unis en 1952, écrit directement en anglais pour les Américains, on peut dire que jamais le philosophe, aidé en ceci par Raïssa, dans la petite étude « Sens et non-sens » en poésie, suivie de « Magie, poésie et mystique » in situation de la poésie, n'a pas cessé de dialoguer avec soi-même ou à deux sur cette question posée dès 1919, mais méditée de longues années pour rendre à la poésie son rôle singulier, où les prophètes de l'Ancien Testament ont leur mot à dire, en ne la détachant tout de même pas de sa coïncidence à la vérité. Y a-t-il une solution vraiment philosophique, se demande encore Maritain, dans un âge avancé, au débat de la raison et de la poésie? Peut-on montrer que malgré tout, la poésie et l'intelligence sont de même race et de même sang et s'appellent l'un l'autre? Or, il vient de citer une phrase d'Aristote que les anciens comprenaient mieux que les modernes en général, à savoir qu'il existe des rêveurs de ce qui est vrai. Ainsi, écoutant les raisons de son temps, bonnes et mauvaises à la fois, mais c'est un motif de plus pour analyser ce mélange, il conclut que la poésie non seulement requiert la raison artistique et technique, mais plus profondément qu'elle dépend de la raison intuitive dans son essence même et jusque dans la touche de folie qu'elle comporte. Lui aussi nous parle de l'amour fou dans un chapitre de son carnet de notes sur l'amour et l'amitié, mais il le voit à une distance infinie de ce qu'il représentait pour André Breton. Son esprit ouvert aux choses ne se refermait sur rien, jusqu'à ne se refermer pas même sur Dieu. Quant à Raïssa, comme poète, et elle l'était harmonieusement, ce n'est pas une touche de folie qui a marqué sa poésie. Elle la conduisait à ce refuge mystique dans la sagesse, verbe de Dieu. Transfiguration. Quand je t'aurai vaincu, ô ma vie, ô ma mort, quand je t'aurai vaincu, amour, et serai conformé à l'amour éternel. Comme un oiseau battant de l'aile, dénouant dans son vol les attaches terrestres, quand je t'aurai défait, dur attrait du bonheur, et que j'aurai conquis ma liberté céleste, quand j'aurai surmonté la joie et la détresse, quand j'aurai survolé les sentiers des désirs, et que j'aurai choisi le chemin le plus dur, comme le ciel nocturne, illimité et pur, dans l'équilibre sans défaut de tous ses astres, sera mon cœur dans l'équilibre de la grâce. Mais je t'aurai gardé, amour. De toi j'aurai gardé la vie et non la mort, et je t'aurai trouvé, bonheur, ayant à mon Seigneur tout donné de moi-même. Comme un navire fortuné qui s'en revient au port, sa cargaison intacte, j'aborderai le ciel, le cœur transfiguré, portant des offrandes humaines et sans tache. Pour Jacques Maritain, philosophe, il n'y avait pas que cette porte de sortie qu'est la poésie pour lui faire respirer un autre air que celui des concepts. Il y en avait un autre où il rejoignait Raïssa. C'est effectivement la mystique. Et l'on n'ignore pas quelle place il réserve à un spirituel disciple de saint Thomas, qui n'est pas seulement Jean de saint Thomas, grand théologien thomiste, mais un autre Jean, saint Jean de la Croix, qui se voudra toujours fidèle au même saint Thomas d'Aquin. Le portrait de Jacques Maritain est plus facile à enluminer qu'à dessiner. Heureusement, il nous a livré son secret dans ce carnet de notes qu'il avait peut-être, en le publiant en 1965, cru son ultime ouvrage, mais la suite des événements a prouvé que par bonheur il se leurrait. C'est une confession qui date de 1954. Tout à coup, le vieux Jacques, comme il signait ses lettres, ne prend plus la peine de camoufler ses batteries. À quoi bon? Le voici donc tel qu'il se sait être, et qui le rend unique en notre temps, où le canard du doute aux lèvres de vermouth, comme dit Isidore Ducasse, fait partout le vide universel. Dans Poésie 1. Que suis-je donc moi-même? Un professeur? Je ne crois pas. C'est par nécessité que j'ai enseigné. Un écrivain, peut-être. Un philosophe, je l'espère. Mais aussi une espèce de romantique de la justice, trop prompt à s'imaginer, à chaque combat livré, qu'elle et la vérité auront leur jour parmi les hommes.
Et aussi peut-être une espèce de sourcier collant son oreille sur la terre pour entendre le bruit des sources cachées et des germinations invisibles. Et aussi peut-être, comme tout chrétien, en dépit et au milieu des misères et des défaillances et de toutes les grâces trahies dont je prends conscience au soir de ma vie, une espèce d'agent secret du roi des rois dans les territoires du prince de ce monde, prenant ses risques à l'instar du chat de Kipling, qui s'en allait tout seul. Agent secret. Jacques Maritain, de 1920 à 1930 à 1950, n'aurait pas jeté le masque avec tant d'humour. On ne dira jamais rien d'aussi pertinent sur sa vocation propre que ses lignes. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne travaillait jamais pour lui. L'amour de la sagesse et l'amitié des hommes sont deux éléments, si encore ce n'est pas le même, qui entraînaient Jacques Maritain dans son action de philosophe chrétien aux prises avec les tourments de la cité, disons son action politique. Il est resté en lui quelque chose de cet affamé de justice qui, avant la conversion, le poussait à embrasser le parti des persécutés. Il n'en voudra jamais d'autre. Il lui a suffi de quelques années pour décider que les bien-pensants ne comprennent rien au travail qui se fait dans le monde, et il lui est insupportable d'assister à leur apathie en face des événements. Il ne leur pardonne pas de livrer les masses qu'on nous a dites faites pour le Christ, les grandes forces humaines d'aujourd'hui, au système antichrétien. Et quand je parle ainsi, je ne pense pas seulement à l'apostolat chrétien qui, dans l'ordre purement spirituel, cherche à tourner les âmes vers la vie éternelle. Je pense à une philosophie chrétienne qui, dans l'ordre temporel, est sans arrière-pensée d'apostolat religieux, mais pour trouver dans cet ordre la vérité pratique et pour servir la vie temporelle des hommes, travaillerait à renouveler les structures de la société. Une telle philosophie n'a rien à voir avec un ordre chrétien purement décoratif, plaquant des principes chrétiens et des formules chrétiennes sur le désordre consubstantiel, superficiellement remanié, d'un régime social et culturel inhumain. Elle exige, parce qu'elle s'attaque à des principes plus profonds, une révolution plus profonde que tout ce que la littérature révolutionnaire appelle de ce nom. Tel est l'apostolat non directement religieux du philosophe, mais apostolat cependant, comme Georges Hubert de Radkowski, dans une étude sur Jacques Maritain, philosophe universel, que j'ai eu en main, l'a très justement noté. Même dans ses essais purement doctrinaux, où il s'avance à la rencontre de l'être et des choses, l'apôtre accompagne toujours le sage. Aussi, la démarche qu'il poursuit dans cet ouvrage, ajoute-t-il, n'est-elle jamais immédiate, jamais orientée exclusivement par les exigences de l'objet intelligible qu'il se propose d'y aborder, mais toujours pour ainsi dire composée avec les préoccupations contemporaines qui s'y rattachent par quelques biais. Il se fraye un chemin vers le mystère de l'être à travers les problèmes de l'époque. On sait que Jacques Maritain, Raïssa et Vera se trouvaient aux États-Unis lorsque la France fut envahie par les troupes hitlériennes. 5 ans absent de France, Jacques Maritain, quand il rentre à Paris seul, en attendant de pouvoir faire revenir sa femme et sa belle-sœur, est frappé par la tristesse et la mauvaise humeur des Parisiens. La guerre et la résistance nous avaient encore rapprochés. Nous avions eu, sans correspondance directe, des sentiments de plus en plus analogues ou similaires, fraternels. Jacques Maritain avait été rappelé en France par le général de Gaulle qui lui proposa notre ambassade auprès du Vatican. Sans enthousiasme, il accepta, il demeura 3 ans à ce poste où, dans le silence, il fit du bon travail, secondé par Raïssa, comme toujours, et par sa belle-sœur Vera. Nous avons souffert de quelque chose. Jamais Jacques Maritain n'avait été plus en forme que dans ces années-là. Mais en France, on l'avait oublié. En Amérique, sa renommée n'avait cessé de rayonner. Chez nous, le jeune clergé ne l'avait pas lu. Dans les séminaires, qui parlait de ce philosophe thomiste? Quand il eut achevé son temps d'ambassadeur, il retourna avec sa femme et sa belle-sœur en Amérique du Nord, où il avait, dans les universités, un prestige sans égal. La philosophie en France l'avait désolé. Il publia un merveilleux petit livre, « Court traité de l'existence et de l'existant », qui passa inaperçu, alors qu'il répondait avec une acuité clairvoyante aux problèmes posés par l'existentialisme. À Princeton, Vera Oumantsov mourut le 31 décembre 1959. Jacques et Raïssa décidèrent de rentrer à Paris provisoirement. Et c'est le début de la période douloureuse.
Raïssa arrive fatiguée en France avec une congestion cérébrale. À Paris, elle doit s'aliter. Jacques Maritain, la voyant dépérir et si sereine, si pacifiée, ne quitte pas son chevet. Il est méconnaissable. Lorsque sa femme se détachera de sa dépouille humaine, le 4 novembre 1960, il aura l'aspect d'un moribond. Nous pensions qu'il ne lui survivrait pas. Mais il a écrit dans ses notes qu'il se survivait à lui-même, voilà tout. Raïssa, néanmoins, ne lui permit pas de se laisser aller à la dérive. Elle n'avait plus qu'un souffle quand elle se moquait de lui. « Tu me déçois », lui dit-elle. C'est à elle qu'il doit d'avoir pu continuer son œuvre. Il a l'intention de se retirer à Toulouse, chez les petits frères de Jésus, qui ont une doctrine dont il est responsable. L'ancien ambassadeur, le laïc dont Paul VI avait, croit-on, désiré faire un cardinal, tient à s'éteindre chez les pauvres. Mais sa vigueur intellectuelle est si grande que, après le deuxième concile du Vatican, qu'il avait souhaité, il se hérisse devant les conséquences qu'en tirent des clercs peu soucieux de ramener l'intelligence à sa source éternelle, et il écrit ce pamphlet qui sera par bonheur un best-seller auquel tout le monde s'intéressera, le paysan de la Garonne. Ce laïc n'avait pas du tout vieilli, il le savait bien. Il dominait les conformismes. Il était fidèle à cette adorable sagesse qu'il ne mettait pas en face d'ectoplasmes phosphorescents, mais de ces réalités qui portent nécessairement la signature de l'être. J'ai en face de moi un jeune normalien agrégé de philosophie qui pourra nous dire si les jeunes esprits devant l'œuvre et l'exemple de ce philosophe hors série et plus strictement philosophe que nul autre sont capables de l'entendre comme nous post-mortem. Il s'appelle Pierre Manin et, s'il ne répond qu'en son propre nom, cela déjà me suffit, car l'intelligence ne s'exprime pas généralement en groupe. Ce qui me comble d'aise dans la carrière de Jacques Maritain, c'est la hauteur et le tranchant avec lesquels il est entré en matière et avec lesquels il s'est affirmé dans le monde intellectuel de son époque et philosophe et chrétien. Si on se reporte à la situation intellectuelle de cette époque, on trouve un spectacle très curieux. C'est le temps où de grands esprits, cependant, Victor Delbos, Lachelier, étaient d'une part chrétiens, étaient d'autre part philosophes, mais quand on les lisait en tant que philosophes, on ne s'apercevait pas qu'ils étaient chrétiens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est contre cette laïcité extravagante de la pensée, si vous voulez, que Maritain a réagi d'entrée avec une efficacité qui a pratiquement fait scandale. Et l'on comprend un peu ce scandale, car il était désormais considéré comme allant de soi, n'est-ce pas, que la philosophie était une discipline purement profane et relevant uniquement de la raison naturelle, et que donc la religion faisait partie, si vous voulez, des affaires privées qui n'intéressaient pas la pensée. Alors la réaction de Maritain a été très brutale, très profonde et très intéressante, et c'est cela, si vous voulez, la première leçon historique qu'il nous a donnée. En effet, il est ruineux, insensé, si l'on est chrétien et si l'on prétend être philosophe, de séparer totalement, disons, les deux mouvements essentiels de sa personnalité. C'est ruiner la densité intellectuelle de la religion et c'est ruiner l'élan spirituel de la philosophie. Et Maritain a eu d'emblée ce mouvement unique, et c'est ce que disait très bien son parrain Léon Blois. Il a senti immédiatement en Maritain ce qu'il appelle un bras d'athlète et une haute voix de lamentateur. Alors naturellement, ça ne veut pas dire que philosophie et religion ce soit la même chose, et Maritain thomiste était particulièrement bien placé pour distinguer ce qui relève de la raison naturelle, ce qui relève de la révélation. Il distingue lui-même très bien ce qu'il appelle la posture de Minerve devant le cosmos et puis la posture, disons, religieuse, sauvée mon unique. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mais il reste que, il importe que l'âme qui veut contempler le cosmos, si vous voulez, l'âme du philosophe, et celle qui veut sauver son unicité, soit la même. Et alors Maritain a réussi, dans cette Sorbonne qui faisait le cauchemar de Peggy, a réussi à affirmer sa force de philosophe et sa force de chrétien. Alors ça, c'est Maritain pour l'exemple du courage chrétien et de la lucidité religieuse. Mais pour ce qui relève de la philosophie, dans ce cas-là, disons, de plus éternel et à la fois donc de plus actuel, c'est peut-être le seul philosophe qui a, de nouveau, après véritablement une rupture de peut-être de deux ou trois siècles, retrouvé un sens au mot « être ». Entre nous et la tradition philosophique, toute la tradition, je ne dis pas seulement la tradition thomiste, si vous voulez, entre nous et toute la tradition philosophique, Maritain est, à mes yeux, le grand intercesseur.
ça n'est pas le réduire à une fonction d'intermédiaire ou d'historien de la philosophie, puisque précisément, ce n'était pas un historien de la philosophie. Mais c'est lui qui, parce qu'il a repensé ce que pensait cette grande tradition, est capable de nous la faire comprendre. Je songe à un proverbe chinois, vous savez, qui dit « Quand le doigt regarde la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Eh bien, nous ne cessons pas de regarder le doigt des grands philosophes traditionnels. Alors, nous savons très bien ce qu'ils ont écrit, nous les connaissons par cœur, nous savons très bien comment ils fonctionnent. Mais ce qu'ils montrent, ce qu'ils ont en vue, c'est-à-dire le cosmos, l'être, la chaîne des causes, etc., et l'être suprême, évidemment, ou bien la première cause, qui est ou l'inconditionné, à la recherche duquel, n'est-ce pas, était déjà Aristote, eh bien, cela, nous l'avons tout à fait perdu de vue. Leurs concepts sont devenus une algèbre dont nous faisons ce que nous voulons, dont nous faisons n'importe quoi, mais il n'y a plus rien derrière. Et alors, Maritain est, pour ainsi dire, celui qui peut nous permettre de retrouver ce contact avec la tradition philosophique, parce que lui n'a pas perdu le contact avec l'être. C'est un homme qui a eu une expérience de pensée, une expérience intellectuelle, cette expérience qui naît de l'acte commun de l'intelligence et de l'être, a un degré d'acuité extraordinaire, et surtout, qui était doué d'une langue cristalline, capable véritablement de nous faire percevoir, de nous faire sentir ce qui est le plus difficile à comprendre. Quand on lit Maritain, quand il parle de l'essence, quand il parle de la substance, quand il parle de la forme, de la perception, des notions les plus délicates, difficiles de la philosophie traditionnelle, j'ai vraiment l'impression de les toucher. C'est aussi concret que quand je feuillette un livre d'images. Et c'est vraiment, disons nous qui avons tellement de peine à nous remettre dans cette atmosphère intellectuelle, dans cette tradition, c'est vraiment un guide unique dans cette perspective. On sait que la personne physique de Jacques Maritain nous fut ôtée le samedi de la semaine pascale, au matin. Sa mort n'est pas de celles qui font porter le deuil, non seulement parce qu'il avait plus de 90 ans, mais aussi parce que la liturgie de Pâques est marquée par la répétition de ses Alléluia. Raïssa, son épouse bien-aimée, définissait la mort comme une Pâque, un passage de la vie à la vie. Jacques Maritain, anarchiste, agnostique, désespéré, mais espérant, athée peut-être, sincère au point de ne tendre qu'à l'absolu, riche d'un amour inaltérable, maître à penser, maître à vouloir, toujours ami de la jeunesse et de la hardiesse du cœur, était, avec le christianisme, pour la révolution permanente. Cela seul devrait lui assurer l'admiration des jeunes d'aujourd'hui qui apprendraient à leur tour le sens de la vie qu'on leur cache. Si Jacques et Raïssa ne se sont pas suicidés à 20 ans, c'est qu'il leur avait été donné la grâce de le trouver et ils en avaient fait le plus bel usage. Il n'était pas un homme du passé, contrairement à ce que l'on a pu croire. Ambassadeur auprès du Vatican, je me rappelle qu'il n'avait guère apprécié les ruines de Rome. Il n'était pas un homme de regret, mais un homme de désir. Pour ce conquérant spirituel, il ne s'agissait pas d'aller de l'avant, mais de marcher en avant, guidé par l'espérance qui naît de la foi et que stimule l'approche de l'immense charité. S'il était moins que personne le philosophe du devenir, il était l'apôtre de ce qui est à venir. C'est pourquoi, plus que d'autres, Jacques Maritain reste un vivant. C'était Un philosophe, agent secret du roi des rois, Jacques Maritain, une matinée de France Culture proposée par Stanislas Fumet, diffusée la première fois le 17 juillet 1973 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.